salut à tous les gars, c'est Rain, j'espère que vous allez tous très très bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui, vidéo de boss sur Elden Ring, on va combattre le loup cramoisi de Radagon. Vous allez le voir à l'écran, c'est une grosse référence à Sif, le loup gris des Dark Souls. Ici, il est doré, il est roux, il est magnifique dans une arène assez religieuse, très grande, très sympathique, visuellement magnifique. Et on va se battre du coup contre ce loup qui utilise principalement la magie et des coups de gueule. Voilà, la magie assez puissante, faut faire attention. Il aura l'habitude d'utiliser ici, comme vous le voyez à l'écran, une épée magique, un petit peu avec les mêmes patterns qu'utilisait Sif, le loup gris. Et il aura aussi tendance à balancer des petits missiles voilà, bleus, des petites flèches bleues qui peuvent briser votre garde. Donc faites attention, vous pouvez les éviter en courant ou alors en faisant des roulades. Mais évitez de vous les prendre de plein fouet puisque comme vous le voyez là, ici je l'ai bloqué, je me suis quand même pris un petit peu de dégâts. Ici pour faire le combat rapidement et plutôt efficacement, donc voilà c'est l'astuce pour le battre facilement, allez-y avec des attaques chargées. Moi ce que j'ai fait, vous voyez, je donne très peu de coups hors attaque chargée et j'y vais, blaf, coup attaque chargée, ça fait super mal. Du coup le combat est passé super vite, je sais pas si c'est vraiment parce qu'il était sensible à ces trucs là, parce que j'avais pas, voilà, j'avais un Ushigatana en plus 5 ou plus 6 hein, et ça faisait super mal, donc c'est l'astuce la plus simple que j'ai trouvée pour battre ce boss. Donc j'espère que cette astuce avec les attaques chargées de l'Ushigatana pourra vous aider, si c'est le cas n'hésitez pas à le faire savoir et puis on se retrouvera très très vite pour de prochaines vidéos, celle-ci est un peu courte, mais vous inquiétez pas, il y a du lourd qui arrive, allez, ciao ciao.